Aujourd'hui, on teste... Hey! Les petites croustilles de riz! Il y a tellement une grande variété maintenant de croustilles de riz, croustilles de maïs, puis on décide d'aller un peu plus vers ces tangentes-là parce qu'apparemment, ce serait un peu meilleur pour la santé, les petites galettes de riz, etc. Donc, on se sent moins coupable, les sacs sont plus petits, on est rassasié, puis on se dit « Ah, j'ai passé au travers du sac, yes! » Fait que nous, on va tester, voir si c'est si bon que ça. Puis on a une variété de saveurs, là, on va tester cheddar. Je suis contente. En premier, on a le style tortilla, crispy mini, nacho fromage. Ça, c'est Quakers qui fait ça. Puis, pour 10 croustilles, donc 20 grammes, on parle de 90 calories. Moi, là, honnêtement, là, je m'en fiche un peu. On passe à travers. On passe à travers, là. Ouais, ouais. Moi, j'achète ça. Je commencerai pas. Argon m'a pas compté mes croustilles. Santé. Cheers. Sont belles, en tout cas. Ah, sont belles, sont colorées. Croustillante. Puis le fromage. Pas mauvais. J'aime bien le petit style tortilla, là. Mm. Tu sais, parce qu'il y a de la tomate, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est pas juste fromage. Il y a aussi de la petite tomate dedans. Ça ajoute un petit quelque chose. Ça donne envie de... Une petite salsa, là, tu sais. Bon. Mm. Après ça, on a Sanon aussi qui a fait sa marque au cheddar. Là encore, c'est des croustilles de riz. Celui-là, est-ce que c'était de riz aussi? C'est sans gluten en plus. Ouais, ça aussi, c'est des croustilles de riz. Donc, cheddar maintenant. Celui-là, il me tente moyen. Puis, pourquoi? Je sais pas, je le trouve laid. Mais, il est pas si coloré, il a l'air nature en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est les pires, ceux-là, qui montrent pas leur vrai visage. Ils sont noirs. Une croustille sur noir, ça. Ben. Il est pas très goûteux, hein. Goûte beaucoup, là, tu sais, la galette de riz pleine, là. Tu sais, il goûte pas beaucoup de fromage, là. Tu sais, il manque, comment je te dirais bien ça, le plaisir. Le whoop. Mais tu sais, si tu veux, faut que tu choisisses ta chip, là. Ouais. Mettons. Quand t'es dans un party là où tu manges ça quelque part avec quelqu'un là, tu t'organises pour manger. Pareil comme quand tu vas au cinéma, tu prends les jaunes en premier puis tu dis j'espère que l'autre les verra pas. Mais là c'est le même principe. Faites-vous ça? Oh fuck! Je suis la seule égoïste qui fait ça. Je suis une mauvaise personne. T'es mine, t'es tellement mine. C'est pour ça que je vais pas au cinéma avec toi. Même pas vrai. Le crispy mini. Ok, lui il a l'air d'être bourré de fromage. Original fromage, ouais. Il a vraiment l'air d'en avoir beaucoup. Quand on parle, là. C'est un petit... Puis il est plus beau, là. Tu sais, il a l'air moins puffé dans le vide, là. C'est puffé dans le vide. C'est complètement débile. Non. OK, lui, il goûte vraiment beaucoup, vraiment. C'est un poignet qui est vraiment très goûteux, là. OK. Fait qu'on suit la marque pour celui-là. Ouais. Faut suivre la marque. C'est mon marque. Non, je pensais que tu parlais de la marque. C'est la marque. Celui-là, vraiment, il est très fromageux. Si on compare... Ben, vu ma face, on se rend bien compte qu'il goûte beaucoup plus le fromage que le cheddar. Puis toi, tu disais qu'il y avait un petit goût salsa là, avec ta tortilla, finalement. Ouais, dans le style tortilla, là, c'était vraiment très bon. Cheddar, il goûte vraiment le cheddar. Passons à l'autre. Lui, c'est délice saveur de cheddar. Ça, c'est la marque... c'est Rebellion. C'est sans OGM. Gosse, ça, ça fait bien. L'emballage est nouveau. Vous rappelez-vous de l'ancien? Moi non plus. Là, ici, on a 210 calories pour 30 croustilles. Alors qu'ici, on avait 90 pour 10. Ici... 230 calories pour 30. Bon, ça s'équivaut un peu. Bon, ça finit par s'équivaloir pas mal. Ça ressemble. Ah! Quoi? Celui-là, il y a 90 pour 12 croustilles. Moins calorifique lui que lui. Ça, c'est la tomate. Ok. Oh! Lui, il aura une grosse draft. Oh, wow! Oh, non! Je vais prendre une petite. La chip est molle, hein? Ouais, mollette. Elle n'est pas croustillante, ben. Moi, si on compare à l'autre tortilla, parce que les autres aussi, c'est une celui-là, tortilla. Celui-là,
est plus croustillant. Très croustillant. Ça promet meilleur. Lui, au niveau du fromage, il goûte pas tant. Non, toi, tu trouves qu'il goûte beaucoup? Non, il sent beaucoup, mais il goûte pas beaucoup. Ah, il pue, là, c'est terrible. Mais il goûte pas beaucoup. T'es une personne qui aime le fromage est déçue, je pense. Ouais, je suis déçu. Bon. Il est déçu. Voilà. Marc est déçu. Ici, cheddar blanc au jalapeño, dans la même marque encore. Ça, le jalapeño m'intéresse, là. J'espère que je serai pas déçu. Ah. Il sent. Plus cher à croustillant molle. Ah ouais, il pique un peu. Puis, sens-le. Alors, je t'en ai des sentiers, le cœur me lève. Oui, il sent vraiment le jalapeño. Jalapeño. Mais la croustillant molle, c'est vrai. Ouais, c'est mou ça. Là, je lèche mes doigts, mais ça m'écarte. Moi, j'aurais pu le mettre carrément. Juste au jalapeño. Il y a un petit fond de piquant dans le palais mou, hein. Ben, c'est le... À la fin, là. Le... Oui, effectivement. C'est le piment. Oui. C'est le piment. Bien sûr. C'est le piment. Évidemment, c'est toujours bien pas le cheddar. Ouais. Yann, tu mérites un applaudissement pour avoir mangé des œufs au fromage. Merci. Merci. Bravo. Rien de ça que j'ai le goût d'acheter. par exemple. Ben, Crispy Mini, selon moi, pour qu'est-ce qui est goût, vraiment présent. C'est vraiment le choix, puis il est bon en bouche. C'est lui qui gagne, donc, parce qu'il est bon en bouche. Alors, on aura tout au long de la semaine plusieurs capsules où on vous présente des croustilles au riz. On a différentes saveurs à vous présenter. Méchant porté qu'on se fait cette semaine. Alors, on like, on commente, on partage, puis nous, on teste! Aujourd'hui, on teste. Tu y as mis énormément de joie, je trouve. Donc!